Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmis ak ma pou la kay. Yon plezi pou nou retrouve l'autre fois encore. En fait, top général dans l'armée des États-Unis commence à prendre la parole. En fait, pour yon dit que yon gen remo. Yon regrette parce que justement, yon te en présence Donald Trump, lèl tap fait action ça. Lèl tap déplacé sur Maison Blanche pour te traverser al fait yon photo dans l'église. Là, pas oublier que pour action ça a été fait, yo t'es obligé crispé cela bat moun voye gaz tout moun. Eh bien général yo dit son wont lié pour top général yo mande excuse mille excuses à cause de présence yo bon côté président hein, lorsque yo t'es utilisé la force pour t'es capable disperser des séries de moun qui t'a protesté de manière pacifique à l'extérieur de la Maison Blanche la semaine dernière. Donc yo dit que c'était une grosse erreur. Il dit que présence avec général là t'as parlé, il dit présence li crée une perception que l'armée ça ndare les militaires yo yo té impliqué dans politique domestique. Nous voulons rappeler pour tout le monde, l'armée pas gain droit faire sentir présence li dans homeland là. Yo là pour yo bataille contre l'ennemi de l'extérieur. Général Mark Milley qui était remarqué présence li qui c'est chairman chief of staff au niveau de la MEA, non message préenregistré qu'elle voyait by yon promotion d'officier parce que le message là clair pour tout ça qui a entré yo, non message qu'elle voyait by officier qui a fait entré yo, li dit yo moins regret de ce que moi t'ai accompagné Donald Trump, moi t'ai marché bon côté dans White House pour te traverser aller dans l'église Saint-Jean semaine dernière là côté que moi t'ai utilisé uniforme la meilleure où t'ai fait photographe moi perception c'est que c'est dans combat et que me t'ai accompagné mouvement moi t'ai la présence moi t'ai accompagné président. Il dit image ça justement provoqué une pile vague de critiques de la part de plusieurs monde et lawmaker et sénateur député, plusieurs anciens militaires officiels disent on want lité et que de telles actions gain risque pour que traîner l'armée dans cause politique parce que nous voulons rappeler pour tout le monde que l'armée yo apolitique. OK, donc yo pas supposé gain des interventions dans des séries de bagarre qui a fait à l'intérieur du pays. Général la k'a parlé, il dit moi c'est un commandant. Effectivement tout ça me fait gain impact sous militaire yo et en pile mon a regardé et que moi pas humanisé contre critique. Comme nous en pile nan nous té ouais résultat photographe ça que moi-même j'étais prendre beaucoup de Donald Trump li fait un bon débat sur qui rôle militaire dans société civile là. Donc il dit que moi voulais dire nous clair rôle nous pas gain pour intervenir dans des séries de bagarre politique dans homeland là pour quelle que soit raison. Monsieur pas perdre du job li non et monsieur dit moi pas doué là point barre présence moi dans moment ça dans environnement ça crée une mauvaise perception qui t'a impliqué présence militaire dans bagarre politique et monsieur veut connait il pas connait si c'est mouvement ça que t'a pas fait ça que fait la compagnie Donald Trump. Il dit comme un monde qui gagne uniforme un officier qui gagne uniforme sous lui c'est un mistake c'est un gros erreur c'est ça de façon m'a tirer le son de erreur ça et sincèrement m'espérer que nous tous n'a tiré le son de ça qui s'est passé. Et il dit que ça qui t'est passé c'est ton bagage qui vraiment tout le monde doit pour être en colère. Il dit monde qui t'a manifesté au lieu de devant Jean ou t'es touillé Joy Flood là et que protestation ça a justement yo justifié parce que yo fait appel avec des centaines d'injustices à l'égard de la communauté noire là. Commentaire ça de la part du général Milley, c'est un extraordinaire moment dans l'histoire
top général dans l'armée qui a excusé yo parce que yo comprends bien oui parce que yo paraît devant un commandant en chef, comprends bien. Monsieur Donald Trump t'a supposé, et pas t'a supposé, non. Li gen titre commandant en chef à part de président de l'armée. C'est première fois pour un général a excusé parce que le te bon côté yon président. Et l'a dit ça pendant que l'a parlé avec un groupe de futurs officiers militaires et de leaders. Donc, lorsque vous gagnez des séries de commandants de l'armée dans Koumile, avec toute grade ça, à admettre que c'est une sérieuse erreur qu'elle fait et qu'elle fait clair pour tout le monde qu'elle a intention à prendre de ça, ça vaut un message puissant par tout petit officier qui a rentré au troupe pour dire que yo pas gagné pour faire ça deux choses et qu'il a perdu toute crédibilité yo et que yo gain doit refuser justement faire ce genre d'action. OK? Et général Milley commentaire ça le faire, c'est justement livrer garder l'armée en dehors de causes politiques. OK? Pour yo pas répondre à aucune pression justement. Donc monsieur était voulait justement faire précision ça. OK? Et pas oublier là n'a pas les jamais nous gagne même le ministre de la Défense espère. Donald Trump t'a pas parler pour évoquer lui dans semaine là parce que lui même il dit clair pas dans bail ça. C'est en pile pression de la part de congressman sénateur qui dit non bah comme ça pas qu'à faire. Bah comme ça pas qu'à faire. Parce que j'espère que clair dit même il pas supporter ça n'ta relé, il pas encourager et il pas bailler approval pour ça ou t'a relé active duty force l'armée pour faire travail la police dans moment côté que des manifestations parce qu'il dit que bailler ça supposé utiliser en dernier ressort à la dernière minute lorsque pas grand rien du tout. Donc que soit général Milley que soit expert, yo dit collègue yo que yo vraiment en détresse à propos de plusieurs critiques que on se voit lorsque on t'est choisi marcher beaucoup trop dans photo ça t'a fait. Donc Milley espère yo reconnaître que c'est un bagage qui très problématique présentiel. Et Milley te dit mais il pas au courant que c'est pas ça qui t'a pas fait. C'est ça qui fait qu'on est là, balle la tomber dans cutoff attorney général là, bah qui a fait des investigations aussi implication là causer ça. Mais quand ça bon connaît qui est important dans causer ça. C'est que Biden jodi a parlé et Biden dit que faut nous attendre nous à scénario ça que Donald Trump ka fin perdre l'élection et puis il pas vouloir retirer col. OK, Biden ka parlé. Parce qu'il dit Jean Biden a parlé là, Donald Trump gien droit pour aller pas retirer col. Et lui-même dit il rete quoi que la besoin d'apport de la mer pour pousser domicile dehors. Et la mer a toujours à prendre indépendance. Donc Joe Biden ka parlé, il dit quoi que Donald Trump pral derrière pour le voler élection que pral fait en novembre. Et même dit le quoi que le convainc que militaire finalement a fini par escorter monsieur pour mettre le dehors dans le peuple là depuis le perdit et qu'il pas vle bay dole. Donc c'est ça que le tabli lui fait l'armée à confiance. Mais dit que monsieur pral derrière pour le voler élection. Dans interview que le bay une Daily Show avec Trevor Noah. Il dit que il dit que comment comprendre this guy qui dit en parlant de Donald Trump. Il a dit que vote par mail son bagage frauduleux. Pourtant, monsieur Chita Lakay leader d'Esli dans office lui-même personnellement il voté par mail dans l'élection primaire qu'a fait là. Vous comprenez avait dit? Pas bien que Donald Trump gros problème avec vote par mail, un bagage qui traditionnel pas bon ici qui en pile monde toujours fait qui entre dans culture là. Et donner au montrer ça qui passe c'est que gagne en pile démocrate qui gagne tradition voter par mail monsieur ta vle boycotter bail ça et l'a dit que vote par mail c'est fraudulent c'est vol bail ça c'est une chose et Biden dou monsieur a dit ça pourtant Donald Trump dans l'élection primaire il pas prendre ligne il va le prendre ligne pour voter il voter par mail tout pour qui ça tout monde obligé à prendre ligne et tenant compte de contexte ça là bail et qu'on a vu gagne des séries de monde qui a choisi pour choisir voter par mail là. Et
Joe Biden a expliqué qu'il va les states qui déjà passé loi, justement, qui fait les vraiment difficile pour le monde et à voter. Il y a des states qui déjà passé, notamment nous, ça a tout passé mardi là dans Georgia. Bataille, il y a des essais de monde qui était c'est pas 5 temps dans l'île, il y a des fois ça. Hein? Il y a des qui fait 6 temps, 7 temps dans l'île. Il dit, faut que vous votez quand même. Là, gon motivation là-bas, on est qui va le faire pour vous battre. Parce que après l'événement qui se passe là, vous avez chauffé à blanc, vous avez décidé même pour vous dormir dans l'île, pour vous faire une nuit dans l'île, vous avez voté. Bon motivation là, vous n'avez pas arrêté de train ça. Pas oublier que vous avez des séries de bagages qui ont fait, vous avez découragé vous à voter. Et je vous dis à vous suivre que vous avez des gens qui ont dit que vous n'avez pas dit pour voter Trump parce que vous avez des gens qui n'ont pas ouvert la bouche pour dire que vous votez Trump. Mais tout le monde a dit ah, j'ai ces mêmes racistes et tout ces mêmes. Moi-même, je ne vais pas voter. Moi-même, je ne vais pas voter. Est-ce que vous avez une stratégie? Une stratégie ça? Moi-même, je ne vais pas voter. Ni vous ni l'autre, tout ces mêmes, je ne vais pas aller voter. Donc, le plan qu'on a là, je dis qu'il est difficile pour demander aux gens de voter, monsieur ça, l'agent là. Et donc, en nous prenant une stratégie, vous nous dites pas le voter toutes ces mêmes. Vous comprenez? C'est ça qu'on fait là. Maintenant, ça, vous comprenez? Et il dit que. Donc, et Biden qui a parlé, il l'encourage pour le voir que. Des premièrement, former, il dit ancien, et current, et US military officiel, qui parlait contre l'utilisation de force que le président a fait. Et il dit qu'il est fier. Parce que il y a des séries de monde qui justement qui il pensait que si Donald Trump avait dit il était convaincu mais il y a même monsieur il a escorté monsieur en dehors il a escorté monsieur vous comprenez et il avait escorté monsieur vous mettez le dehors donc en pile mon a veillé justement parce que il a parlé que nous connaissons que Donald Trump c'est vrai. D'ailleurs, il va même admettre en 2016, l'élection dans l'élection pour primaire, il va admettre s'il perdit pour un discours d'acceptation. OK? Donc, c'est ça qu'a parlé là. Donc voilà guys, l'idée Jean Bayo a parlé au niveau de l'armée donc restez branchés avec nous et les toutes dernières informations nous toujours à partager avec vous. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.